Alors déjà, pour moi, la peinture, c'est respirer. C'est vital. Et en même temps, je n'ai pas la sensation de peindre. Je me laisse traverser. Celui qui est derrière moi, c'est un petit peu comme des eaux lustrales. Quelque chose qui à la fois me travaille, parce que c'est toujours constituant de réaliser des peintures. Mais ce n'est pas moi qui suis à l'œuvre. Quand je suis à l'œuvre, le tableau n'est pas bon. Donc c'est une mise en abîme quand je peins. Et à chaque fois, cette année-là, en 2023, j'ai préparé une collection où peut-être que la mise en abîme a été peut-être un peu plus loin, chaque fois un peu plus loin, un consentement plus grand à vivre, donc à mourir. Et ça me permet de traverser le miroir. Mes toiles, c'est un petit peu comme des miroirs, comme Alice au Pays des Merveilles. Traverser pour, en fait, toucher ce que je suis en devenir, pour devenir qui je suis. Donc, c'est comme des projections pour ne pas louper ma cible, c'est-à-dire complètement accueillir la lumière dans toutes mes cellules. Et voilà, c'est mon chemin. J'ai eu la chance donc d'être très vite reliée à l'invisible, parce que le visible n'était pas un secours, plutôt l'inverse. Que ce soit le corps médical qui était très fataliste, ou mon entourage qui n'était pas d'une grande aide. Et c'était formidable pour moi parce que très vite, j'ai pris appui à l'intérieur, pas à l'extérieur. Donc, j'ai été de dépouillement en dépouillement. Je n'ai pas pu réaliser mes rêves. J'ai enterré plein d'illusions. Et en fait, ça a ouvert mon chemin. Un chemin dépouillé des désirs peut-être très qui constituent notre première nature, notre nature, on va dire entre guillemets animale, c'est pas du tout par rapport aux animaux, mais c'est par rapport à cette nature qui est honto, qui est complètement égocentrée, pour aller vers une expérience ontocentrée, l'expérience de l'intériorité. Et j'ai rencontré beaucoup d'alliés dans mes lectures qui m'ont permis, grâce à la poésie surtout, de suivre ce chemin qui ne pouvait pas être vraiment compris quand j'étais petite fille et qui finalement a retourné mon environnement qui me paraissait absurde en quelque chose absurde à quoi je suis sourde, parce qu'on est dans l'ordre de l'oreille, de la sourdité, à entendre, et surtout dans les grands silences, dans les moments où je suis restée dans le grand vide d'une chambre d'hôpital, où on pose nos valises, on ne sait plus pour combien de temps, et qu'on attend la pitance des médicaments et de la nourriture, comme un peu un milieu carcéral. Et en réalité, ce grand vide a contemplé l'étage sur le plafond, des petits riens, la lumière qui vient danser dans un verre près du lit. Et bien en fait, j'ai été assez vite en contact avec quelque chose de plus grand que moi et qui m'a très vite permis de m'abandonner. En fait, je me faisais mal dès que je ne m'abandonnais pas, dès que je voulais me raccrocher à quelque chose d'extérieur. Et je me faisais très très mal quand je voulais me confronter et me comparer aux autres enfants de mon âge pour être comme eux. Là, je me faisais très très mal. Donc petit à petit, en se faisant très très mal dans une maladie aussi complexe que la mienne, la maladie s'aggravait très vite. Donc je me suis fait assez vite disciple de cette grande initiation qu'est la maladie, plutôt que victime, parce que sinon je creusais mon trou. Alors, cette maladie, c'est une maladie congénitale. Je suis née avec une malformation congénitale et qui se règle depuis les années 60 dans une toute petite opération par la fémorale pour collaber. Ça n'a pas été fait, je ne sais pas pourquoi.
Et du coup, ça a entraîné toutes les catastrophes derrière. Et c'est très bien parce que ça m'a fait un merveilleux chemin initiatique. Et en tout cas, ça a créé une hypertension pulmonaire artérielle. Et très, très véloce, très jeune. Donc, il y avait des pressions au niveau de l'artère pulmonaire, avec des énormes anévrismes qui étaient hyper menaçants. Donc, dans ma vie de petite fille, il fallait que je fasse attention à tout, en éternuant, pas courir. Voilà, j'étais comme un petit peu non. Donc, j'étais très souvent allongée, du coup, pour éviter les catastrophes. Surtout que j'ai un tempérament très vivant. Donc, c'était très dur, je pense, pour mes parents. Et puis j'ai trois frères, donc je voulais beaucoup jouer avec mes frères. Donc ça n'a pas été simple. Et puis, mes parents savaient que mon espérance de vie devait s'arrêter vers 12 ans. Moi, je l'ai compris. Voilà, au détour d'une conversation, j'ai compris. Mais je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas du tout. Parce que je me suis toujours projetée cavalière pour Bartabas, c'était mon but. Bon, une autre illusion que j'ai dû enterrer plus tard, mais en tout cas, cette illusion m'a aussi permis de me projeter jeune femme et puis adulte. Donc, elles étaient importantes jusque-là, puis après je les ai enterrées pour vraiment aller droit vers ce qui m'attendait, et ce qui m'attendait, c'était toujours être au bord du précipice, consentir à vivre et à perdre. Et en réalité, cette taille sévère du rosier que j'étais, en fait, a fait flamboyer les fleurs. Parce que je suis passée, par chance, entre les mains de l'équipe de Cabrol, de tous ces grands chirurgiens et médecins que nous avions, qui n'est plus de ce monde, et qui, grâce à lui, a permis les greffes en France. Et puis, j'ai été mise sur liste d'attente de greffe à l'âge de 14 ans, parce qu'ils se sont dit, bon, elle tient bon, on va tenter. Et finalement, comme je tenais encore bon, ils se sont dit, bon, on ne va pas la greffer tout de suite, on va attendre. Et puis, quand j'ai commencé à avoir 17 ans, bon, moi, j'étais un petit peu par les chemins, avec une vie un peu de saltimbanque, donc ça ne rassurait pas du tout le corps médical. Et du coup, j'étais un petit peu plus ou moins mise sur liste, parce qu'ils se sont dit, oh, elle prendra jamais ses médicaments, elle est trop olé-olé, c'est une artiste. Et puis en fait, petit à petit, j'ai eu des coups durs, comme tout le monde, et la maladie d'un seul coup j'ai arrêté de m'adapter à un moment. J'ai arrêté de m'adapter, de me suradapter. Et j'ai connu ce qu'on appelle avoir le cœur brisé, au sens propre et figuré. Et ça m'a conduit beaucoup plus vite à l'hôpital, ce qui était une chance en fait. Parce que comme j'étais tout le temps en train de m'habituer à tout, j'aurais été comme une grenouille. Et petit à petit, l'eau m'aurait ébouillanté, l'eau chaude m'aurait ébouillanté. Donc c'était une très bonne chose. Et puis, en fait, grâce à cette bouture divine, ma vie a commencé à prendre son véritable chemin. Alors c'est vrai que le dessiner beaucoup quand j'étais petite, c'était quand même un peu un rempart. C'était mon monde. C'était un peu autistique au départ. Et c'était beaucoup de la sublimation. Et petit à petit, c'est rentré dans un travail de transfiguration, de transmutation. Mais ça, ça m'a dépassé. En fait, quand je vais mal et que je peins, je ne vais pas peindre mon mal-être parce qu'il y a quelque chose qui se transforme au passage. Et là, après, j'ai rencontré l'antre entre moi et la feuille, entre moi et la peinture. Et là, j'ai vu qu'il y avait une présence. Et ça, c'est cette présence qui est peut-être en moi, qui est peut-être partout. Mais en tout cas, cet antre était toujours en train de reverticaliser une émotion qui aurait pu être déversée. Voilà, donc petit à petit, ça a travaillé sur moi et je ne pouvais plus m'installer dans le désespoir. Pendant 20 ans, j'ai attendu ma greffe
Et à un moment, j'ai dessiné un dessin au fusain, une femme portant des ailes. Donc, je pense que c'est l'ange quand même qui... Mais moi, je les vois pas. Ils m'apparaissent quand je dessine. Et son corps animal s'ouvrait pour mettre au monde, non plus par les voix basses, mais par la voix haute, un enfant intérieur. Et je l'ai dessiné 3-4 jours avant. J'étais encore dans le dessin quand on est venu toquer à ma porte pour me dire « Eh ben, c'est pour toi. Aujourd'hui, c'est sur toi qu'on va essayer de... » On va essayer, hein, c'est toujours une aventure, qu'on va tenter la greffe. Et bien, j'étais... Curieusement, alors que c'était ma plus grande peur, et c'est pour ça que je pense que ça a duré 20 ans, je n'ai jamais réussi à me préparer intérieurement. Mais ces 3 derniers jours-là, avec ce dessin, quelque chose se nidifiait à l'intérieur. Et en même temps, la grande horloge cosmique a décidé que c'était le bon moment. Le jour des plus grands rassemblements de prière, il y avait de l'autre côté de ma vie à moi, un accident de la route. Quelqu'un qui venait de perdre la vie, une famille complètement meurtrie, qui était en train de se dire mais il respire encore, mais donc on était obligé de leur expliquer qu'il est en mort encéphalique, mais effectivement il respire encore, le cœur il bat encore. Ils étaient en train d'expliquer les prélèvements, que c'était possible, et en fait la famille a dit oui. Et ils ont prélevé 8 organes. Enfin, ils ont sauvé 8 personnes, donc ils ont prélevé plus que ça sur ce jeune homme. Alors, c'était rien de figurable. Moi, j'ai pas rencontré de personnes, ni de personnes décédées. Mais par contre, quand je peins, notamment en fimie bleue, là-bas dans l'expo, c'est des flashs par rapport à ce que j'ai vécu, mais c'est vibratoire, parce que c'est pas figurable. Par contre, toutes les personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, quand elles sont devant ce tableau, on a vécu la même chose, mais ce n'est pas figurable, c'est une vibration. Et dans mon coma, c'était beaucoup plus... C'était la perception que j'étais en tous, et en même temps, plus de personnalité, plus ma petite personnalité, comme si on était tous les uns dans les autres. Et c'est vrai que j'ai un souvenir de quelqu'un qui priait pour moi, et je l'ai vu alors que j'étais sur le billard. Il était au bord d'une rivière et je l'ai vu prendre une poignée d'eau et prier pour moi. Et en fait, j'étais dans sa main, dans l'eau. C'était à travers l'eau que j'étais dans tous. Un peu étrange. Merci. Mmh. C'est Christian. Une fois que j'ai traversé le coma, mes yeux, c'est comme si ce n'était plus mes yeux de celle qui a traversé cette histoire-là. Ce n'était plus dans l'histoire, en fait, dans la petite histoire. On était plus dans la grande vie. Et c'est ces yeux-là que j'espère avoir le plus souvent quand je peins, parce qu'ils m'amènent à revisiter les choses avec ce regard princier. C'est-à-dire qu'en fait, quand je revois cet homme tête en bas, Golgotha, qui était suspendu au crochet de ma haine à l'époque, en fait, quand j'ai appris que c'était un donneur, un homme qui m'a fait don de ses organes, eh bien, il a la main qui est au niveau du cœur, comme s'il donnait quelque chose. Mais ça, je n'avais rien vu. Et c'est pour ça que quand on s'arrête uniquement aux apparences, à ce petit monde-là, on ne voit pas ce qui se cache derrière. Et comme dit Christian Momin, sous les ongles crasseux du diable, il y a de la lumière. C'est-à-dire qu'une situation qui paraissait tragique, en réalité, était là pour me porter
un message, mais à moi de voir la bonne nouvelle, à moi de la voir. C'est l'Apocalypse. Soit on s'arrête au cavalier de l'Apocalypse, soit on sent que c'est une révélation. C'est-à-dire qu'à un moment, on a rencontré ce regard princier qui nous fait voir la situation autrement, mais le fruit, c'est les épousailles des contraires. C'est même pas ce regard princier. C'est, on est visité par la présence, elle nous permet de le voir autrement, et à un moment, paf, le fruit, c'est parce qu'on a vraiment traversé la grande souffrance, et à la fois, on a vu avec les yeux de la lumière qui fait, mais non, mais tu vois, derrière le pire, c'était l'amour. Et là, on a le fruit. Entre. Je suis complètement étrangère au monde d'avant, étrangère à mes amis, qui à chaque fois me disent, mais t'inquiète pas, tu reviendras comme avant. Et ça m'inquiétait, moi, par contre. Parce que j'étais carbonisée, quoi, calcinée. Foudroyée, en fait. Foudroyée d'un feu qui ne s'éteignait plus. Donc je ne pouvais pas revenir à celle que j'étais. J'avais plus du tout la même façon, d'ailleurs, de voir la vie. Et puis surtout, ça c'est un petit peu notre point commun, tout ça qui ont fait une expérience du mort imminente, c'est que vivre ou mourir, c'est un peu pareil, c'est un peu égal. Là, on a la libide de ce corps-là, mais quand on le quittera, on sait que la vie, elle est infinie, c'est juste transitoire, quoi. Donc voilà, on ne s'arrête pas à cette apparence-là. Oui, c'est un exercice de foi, c'est-à-dire que si je commence à me dire, par exemple, que les médicaments que je dois prendre là sont aussi pleins d'effets secondaires, et que je commence à me focaliser sur tout ça, et que je ne bénis pas ce qui m'est donné pour faire ce chemin, là c'est sûr que je vais avoir tous les effets secondaires. Par contre, en revanche, si je vois derrière tous ceux qui sont dans la minutie de cette préparation, et que moi en plus je bénis cette merveille pour que toute cette grande chaîne humaine qui fait que à notre époque on peut bénéficier de ça, quand je pense à mes grands-parents, ils ne pouvaient pas. Donc, et d'être dans cette reconnaissance-là, de les avaler en reconnaissant tout ça, ben déjà, je n'ai pas les effets secondaires que normalement on a. Après, j'ai aussi fait des choix parce que je n'étais pas toujours d'accord avec les protocoles. Je ne le sentais pas intérieurement. Mais comment l'expliquer au médecin qui n'est pour l'instant pas relié corps et esprit. Ça, la médecine n'est que dans le corps pour l'instant. La médecine dure. Hein. Voilà. Donc on n'y est pas. Moi, je rêverais qu'un jour, on ait une structure dans les hôpitaux avec des archives de tous ceux qui ont senti que l'impossible pouvait se faire possible. Parce que ça nous aiderait les uns les autres à comprendre que nous sommes sur ce chemin pour la gloire de Dieu, pour faire transparaître, devenir le vitrail de quelque chose qui nous dépasse. On n'est pas là pour sauver cette carcasse. Cette carcasse, elle a un temps. Mais en tout cas, c'est le vecteur de quelque chose qui cherche à s'incarner. Et tant qu'on dit oui, 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 et qu'on n'en a pas peur, eh bien, elle vient s'incarner dans les moments où toi, tu es au bord de l'abîme. Pas quand tu vas bien. Dans les moments où tu es en danger, clairement en danger. Et si à un moment, tu te rétractes juste dans le petit moi animal qui fait « Oh, mais j'ai peur de mourir !» Bon, mais là, tu bascules. Et c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs, hein, il y a 3 ans. J'ai fait un rejet dramatique, parce que... Oui. Mais parfois, heureusement, par grâce, le Seigneur, il me permet aussi d'avoir des yeux qui voit un petit peu plus loin que ma petite personnalité, et qui me dit, mais attends, on se sert de toi pour faire une super expérience. Est-ce que tu vas déboucher tes oreilles et ouvrir tes yeux? Et là, alors quand j'arrive à être à cet endroit-là, je me dis, mais c'est extraordinaire. Là, il y a des pénuries de médicaments. Bon, au lieu de paniquer, le Seigneur, il veut que mon bien. Alors, il veut juste qu'on essaie cette expérience. Donc, ok, là, il n'y a plus ce médicament. Eh bien, on va voir comment ça se passe. On va pas paniquer, parce qu'on rajoute des interférences à la super expérience, quoi. Et elle est géniale, cette expérience. Je l'adore, Seigneur, vraiment, t'as bien fait de me la donner.
Mais il y a des fois je tombe. Et quand je tombe, mais je me fais très mal. Et quand je tombe, ben là, j'ai eu un rejet dramatique, du coup. Ouais, il y a 3 ans. T'as pas compris que t'avais une bouture divine? Les poumons ont fondu. Et donc là, maintenant, je suis avec une toute petite capacité respiratoire qui est en dessous du seuil vital. Mais moi, je ne le ressens pas. Et là, je fais l'expérience, puisque je n'avale pas les diagnostics, puis je ne regarde même pas. C'est pas que je suis dans le déni, mais je ne comprends même pas ce qu'ils me disent. Quand les machines amènent la courbe respiratoire, elle est au lieu d'être... Bon. Moi, je monte très bien la côte, ça va. Je ne le ressens pas. Et je goûte le souffle dans le souffle. Il y a un autre souffle qui nous gouverne. C'est cette expérience que je suis en train de vivre. En fait, la prière, pour moi, c'est quotidien. C'est vraiment quotidien. Et c'est dans le petit quotidien. On peut préparer à manger en priant. On peut... En fait, c'est bénir et puis c'est remercier surtout. Remercier d'être encore en vie, d'être encore là. Sentir enfin, les bons parfums là, de toutes ces fleurs. Voilà. D'être vraiment dans toujours cette gratitude parce que c'est quand même inouï cette incarnation. Ça tenait à tellement peu de choses qu'on soit là. C'est un sacré rendez-vous. Et en même temps, j'ai approfondi tout ça grâce à Annick. Parce que quand je suis sortie de l'hôpital, je n'avais personne à qui parler. EMI, ça parlait pas à grand monde. Et le ciel m'est tombé sur la tête quand j'ai ouvert ma tablette d'ordinateur. Là, et je vois sur YouTube, Annick de Souvenel, l'initiation. Alors du coup, je l'écoute et je fais... Exactement ce que j'ai vécu. Elle parlait des morts imminentes et tout ça. Je me suis dit, il faut que je la rencontre. Et c'est comme ça que la rencontre s'est faite. Et après, c'est elle qui m'a dit, mais attends, mais... Alors qu'elle était contre le don d'organes à la base. Elle a complètement changé de vision des choses. Puis elle m'a dit, mais c'est une bouture divine. Le Christ est mort et ressuscité en toi, comme en nous tous. Mais toi, c'est symboliquement, c'est bien là. Et après, bah, le chemin, il est complètement différent. Et après, je me suis ouvert à l'hébreu, parce que ça me paraissait très, très évident, alors qu'avant, je n'étais pas du tout dans tout ça. Mais en fait, les lettres hébraïques, c'est vraiment l'incorporation des énergies divines. Donc, c'est les grandes lettres des eaux d'en haut, des eaux de lumière, des eaux de... voilà, qui viennent s'incorporer pour que le corps spirituel... soit de plus en plus pilote, de plus en plus le corps de matière. Et à un moment, ça c'est l'état de la transfiguration, c'est qu'à un moment, le corps et l'esprit ne font plus qu'un. Là pour l'instant, nous on voit les deux choses, mais à un moment, il n'y aura plus de discontinuité entre la matière et l'esprit. À la base, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la résilience, c'est retrouver cet état ontologique où rien n'a jamais été séparé. Mais là, on va le vivre. Parce que ici, dans ce corps de matière, on est sans arrêt en train d'être initié sur la séparation. Est-ce que tu te crois séparé, là? Quand quelqu'un te fait du mal? Quand tu es calomnié? Est-ce que tu crois que tu es séparé de la source? Et si tu y crois, malheureusement... Le chemin est vraiment compliqué. Mais si tu n'y crois pas, ça te fait rire. Ça te fait rire. C'est un théâtre, c'est une comédie humaine. Mais bon, à des moments, on tombe quand même, on se prend les pieds dans le tapis quand même si on le sait. Acceptez de mourir. Tout ce qui vous sécurise, tout ce qui vous... Acceptez de mourir et vous allez vivre. C'est un peu dur, hein, mais... Quand on accepte de mourir à tout ce qui nous tue, on vit. Tu penses qu'un cancer va te tuer? Ben, meurs. Meurs à cette idée. C'est dur. Allez jusqu'au bout. Meurs à cette idée. Et regarde la merveille qui t'attend. Mourir à nos croyances limitées,
On est habité par quelque chose qui est illimité, qui a envie de s'infinitiser par nous, à travers nos limites. Donc si tu crois que tu es ce bocal, que tu as oublié que en fait tu es cette présence, ah, ça s'arrête au bocal. Accepter de mourir en bocal. Le bocal, c'est pas grave s'il casse. Laisse faire. Et en fait, ce qui se passe, surtout au moment où tu crois que tout va casser, il y a l'infiltration de la lumière dans tes brèches. Et ça fait comme ces merveilleuses céramiques japonaises, là, Ikagai, où c'est tout refait d'un fil d'or, quoi. Et si tu arrives à avoir cette lèvre d'or, ce regard d'or, allez, eh ben, on accepte de casser le vase. Puis en fait, qu'est-ce qui se passe? Le corps dépasse le corps. C'est-à-dire que tu as un corps de matière, mais tu as un autre corps. Et puis, hop, c'est des poupées russes, en fait. Tu te rends compte qu'il y a autre chose qui est en train de prendre le pas. Et si tu acceptes l'expérience, ça va très très loin. Ça va vraiment très très loin. Et ben en fait, c'est vraiment en train de dire, on n'a rien à craindre. On n'a rien à craindre. On va vivre une expérience où les béquilles vont nous être retirées de plus en plus. Les institutions s'effondrent, tout s'effondre. Donc, ce qui pour l'instant nous donnait une petite sécurité, va s'effondrer. C'est le chemin. Et si on l'accepte, on bénit la situation, le ciel peut enfin s'incarner, parce qu'il peut s'incarner par nous, mais par notre oui. Tant qu'on a peur, il ne peut pas. L'incarnation du ciel ne se fait pas sur la terre. Donc, à mesure où tu sens que tu tapisses les robes sous tes pas, eh bien, t'es là. Mais merci Seigneur. Oh, mais quelle aventure. Mais allez, on y va. Et puis, en fait, il y a une espèce de pont qui est en train de se construire à mesure où tu avances. Toi, tu gardes les yeux rivés en Christ et ça avance. Et ça avance. Et un jour, ça n'avancera plus sous cette forme-là. Eh bien, ça avancera aussi. C'est tout. Mais je dirais que ce sont des douleurs de l'accouchement pour un enfantement, pour naître en esprit. On est là maintenant, on ne pourra plus être dans ce divertissement à outrance, cette consommation. En fait, on va être de plus en plus aligné parce que au niveau environnemental, au niveau de tout, le tissu du vivant est en train de fondre. Donc, on va être de plus en plus sur un chemin. On pourra de moins en moins dévier. Un petit peu comme Moïse dans le désert. Effectivement, on n'aura peut-être plus nos rations de caille, toutes ces bonnes choses que les Hébreux mangeaient en Égypte. Et oui, à un moment, on aura beaucoup moins. Mais ce beaucoup moins sera peut-être suffisant. En fait, il sera suffisant. C'est ça qu'il ne va pas falloir craindre. Ça va être notre grande expérience de foi. C'est sûr qu'on va être dépouillé. Pour passer à la fin par le chat de l'aiguille. On va passer par là pour n'être que l'essence de l'essentiel. Et on dit que le royaume des cieux te sera donné et nous on s'occupe que du surcroît. On s'occupe que du surcroît, de choses qui n'ont rien à voir avec le royaume des cieux. Mais là, dans ce chemin de crête, ben, comme ça va être une grande expérience de foi, si tu n'y crois pas, bon, ça sera un autre chemin. Mais si tu y crois que tu auras la manne suffisante, eh ben, c'est comme si tu te ferais réceptacle à cette lumière qui va s'incarner de plus en plus, nourrir tes cellules, te faire avancer, qui ne sera peut-être plus du tout de la même manière. On va vers du tout nouveau, du tout nouveau. Et c'est la grande expérience de foi. On va la vivre collectivement. C'est ça la grande différence maintenant. On va être un bon nombre à la vivre, un beau levain pour faire moindre toute la pâte humaine, toute la pâte de l'humanité. On y va. On n'a plus le choix. C'est une merveille. Si on le voit comme une merveille, en se disant oh, on est incarné à ce moment-là, à ce rendez-vous d'amour-là, parce que visiblement, on a tellement enduré, on vient de si loin, que nous avons déjà tellement fait l'expérience de la foi, qu'on est suffisamment équipé pour dire oui, on y va.